As-tu déjà entendu parler de pureté militante? Et si oui, sais-tu ce que c'est? Aujourd'hui, j'ai non seulement te l'expliquer, mais aussi te parler d'une célébrité qui en a souffert et qui en parle. Alors écoute ça jusqu'au bout. La pureté militante, c'est une forme de pression que ressentent les personnes qui sont engagées à être irréprochables sous toutes les coutures. Mais être irréprochable, c'est être parfait, c'est pas possible. Tu l'as dit, Bouffi. Et c'est justement parce que c'est inhumain que c'en est insupportable et que ça pousse certains militants jusqu'au burn-out. Oui, je confesse, j'ai arrêté la viande, mais j'achète encore du plastique. Cette injonction à la perfection est d'autant plus ressentie que la personne est exposée. C'est donc beaucoup le cas des stars. Et en l'occurrence, celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est Laurie Tillman. La Miss France 2011 est très engagée pour l'écologie, mais elle a mal vécu ses pressions. Et c'est ce dont elle parle dans l'épisode 13 de son podcast « Comment tu fais ?» Comment tu fais pour être ancienne Miss, entrepreneuse, podcasteuse, animatrice, subir le regard des autres et garder le sourire ? Exactement, ça c'était le thème de l'épisode 1. J'adore ce podcast parce que dans des épisodes courts d'une quinzaine de minutes, il aborde des sujets intéressants de la psychologie humaine tels que le stress, le perfectionnisme, l'hyperactivité. Bref, je te recommande d'aller découvrir et si tu veux la vie de Laurie Tillman, n'oublie pas de t'abonner.